Alors, j'ai été invitée à rencontrer des jeunes de Montrouge qui avaient préparé des centaines de questions. Ils étaient vraiment hyper enthousiastes et j'ai vu qu'ils avaient vraiment suivi la Transat Jacques Vabre et le Vendée Globe grâce à Virtual Regatta. En classe, c'est vraiment un outil pédagogique, Virtual Regatta et la course large, qui sert à faire passer plus facilement les leçons qui sont parfois pas très appréciées par les enfants. J'ai été inscrit cette année avec deux classes, la classe de CM2A et la mienne, c'est PCM2. Et on a vraiment fait quelque chose de quotidien autour de cette virtual regatta, tout en suivant les skippers réels à l'aide du site notamment de la Transat Jacques Vabre. Les élèves ont chaque jour mené leur bateau de manière à le diriger correctement. Et on est arrivé deux millième sur la virtual regatta. Donc les élèves sont très fiers de leurs résultats. Alors on travaille autour, on utilise le thème de la virtuelle et donc là cette année de la Transat Jacques Vabre pour travailler en mathématiques, en français, pour aussi travailler au niveau sciences sur la faune, sur la flore, parce que c'est vraiment un thème qui permet de travailler sur des domaines vraiment disciplinaires tout au long de l'année. On a fait des problèmes avec en fonction des classes 40, des IMOCA, tout ça, avec les pieds. Le Fort de France, je savais pas qu'il existait. Bah aussi plus le Cap, parce que tu portes le regard. Oui, le Cap. Oui. Cap de bonne étoile. Inscrivez-vous, c'est trop cool. Et c'est vous qui gérez le bateau. Donc. Oui, aussi pas besoin de rester pendant un mois dans le bateau. En fait, t'as juste à vérifier à peu près tous les jours si le bateau va bien. Allez-y, foncez, inscrivez-vous. Et vraiment, c'est un beau projet pour les enfants parce qu'on les amène à coopérer, à fédérer un groupe dans ce projet et autour de ce projet. Et on en ressort vraiment grandi.